Martinique, cinq associations ont fait leur entrée le week-end dernier. 100% Sport s'est rendu au Marin, au Diamant, à Rivière-Salée, à Saint-Joseph et à Trinité. Écoutons le responsable du forum des associations du Marin. Rodrigue Dagobert, président de la Fédération des associations du Marin, l'AFDI, contraction La Femme. Alors Rodrigue, comment ça se passe ce forum aujourd'hui ici au Marin? Bourhomme sera très actif aujourd'hui puisque on est encore en pleine installation. Donc je pense qu'on aura du monde puisqu'on a déjà près de 40 associations inscrites hein, donc, qui seront sur site aujourd'hui. Hein. 40 associations qui sont en activité qui ici sont au en Marin. Activité et qui sont adhérentes à la FAM. Donc la FAM, c'est la seule fédération d'associations de Martinique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de la femme? La femme, eh bien, elle est très jeune. Hein, elle est née en 2020. Nous avons 4 ans. Et nous tendons à... Nos missions sont fédérer toutes les associations, hein, de quel que soit son type, de fédérer toutes les associations du territoire de la ville du Marin. Cette année, c'est plus d'associations par rapport à l'année dernière. Oui, l'an passé, nous avions plus d'une vingtaine, plus de 25 associations, 27 si mes souvenirs sont bons. Et cette année, nous avons 40 associations. Est-ce c'est dû à la crise sanitaire? C'est reparti quand même après la crise sanitaire. Hein. On voit qu'il y a un élan, que les gens reviennent aux activités, qu'on recommence à vivre, j'ai envie de dire entre guillemets. Quoi, voilà. Dernière question, Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Eh bien, souhaitez-nous du soleil déjà par rapport au temps qu'on connaît à Martinique en ce moment. Et puis un succès, et puis surtout un grand public, puisque le forum est fait pour que les gens viennent inscrire les enfants, inscrire la famille à des activités durant toute l'année. Le forum se tient toujours à la même date? Toujours en général, second. En fonction du calendrier? Oui, en fonction du calendrier, donc seconde semaine de septembre en général. Donc voilà. Président, 100% Sport vous remercie. Puis 100% Sport s'est rendu au Diamant pour la journée des associations. Écoutons quelques réactions et l'élu en charge du sport. Odile Durand, chargée du sport, de la vie associative et de la vie culturelle de la ville du Diamant. Alors Corinne, parlez-moi un petit peu de la mise en place de ce forum ici au Diamant. Eh bien, comme chaque année, hein, nous offrons une opportunité aux associations de se faire connaître. Nous avons 31 associations sur la ville.
qui profitent de cette opportunité pour présenter leur activité et recruter de nouveaux membres éventuellement. On a des associations par rapport à l'année dernière. Est-ce que le nombre d'associations a augmenté? Un petit peu. Il me semble qu'on a deux nouvelles associations, dont le football américain, il me semble. Et puis, nous avons aussi une association de golf qui est installée sur le Diamant. Et sinon, les autres sont régulières et elles sont là depuis un moment. Comment ces associations ont traversé la crise sanitaire? Ça n'a pas été un moment facile. Certaines ont dû arrêter carrément leur activité. La plupart, les associations de personnes âgées sont restées en contact avec les personnes. Il y avait des représentants de quartier qui allaient visiter les personnes âgées. Le sport était arrêté complètement. Et les associations culturelles aussi. C'est surtout les associations d'aide à la personne, d'entraide qui sont restées actives. Ne serait-ce qu'au téléphone, mais on a gardé un contact avec téléphonique virtuel, on va dire, avec les membres. Hier soir, l'US Diamantinoise a fait honneur à sa commune. Sa commune, 2-0 face à l'équipe de 3-1, je crois. Ah oui, 3-1, me semble-t-il. 3-1, le dernier score que j'ai vu à mon avis, c'est 2-0. 3-1, donc du coup, elle a bien démarré la saison, l'association. Donc, on lui souhaite bon vent pour cette saison et on espère qu'ils auront les résultats escomptés. Pour les attirer, chaque fois qu'on a l'occasion, faire passer l'information par le biais de tous les modes de communication de la ville, mais nous-mêmes, aller vers, rencontrer des personnes, leur parler, les inviter à des manifestations, comme par exemple pour la semaine bleue, nous aurons une journée de regroupement. Et chaque fois que nous avons l'occasion, nous nous regroupons. Au niveau de la ville du Diamant, par exemple, nous avons fait des animations danse, par exemple, au marché. On s'est retrouvés là un matin, et pendant qu'il y a le marché, on fait une animation et tout le monde est invité à y participer. Nous l'avons fait pour la fête de la musique, nous l'avons fait pour la journée de la tenue traditionnelle, par exemple. Et voilà, quand la ville nous propose, nous sommes là, nous avons fait des spectacles de haute taille, parce que nous dansons la haute taille au Diamant. Ce sont des animateurs qui viennent du Robert, mais nous dansons la haute taille au Diamant tous les mercredis soirs, je fais la pub. Et voilà, encore une occasion, d'une part, de se retrouver, et d'autre part, de faire venir des personnes à nous, et de nous montrer ce que nous savons faire. Alors, pour nous contacter, le 06 96 40 14 49. On peut répéter ce téléphone. Alors, 06 96 40 14 49. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter déjà et souhaiter à la ville de Diamant? Que nos associations restent actives parce que c'est quand même le poumon de la ville et puis que le Diamant reste solidaire et qu'on puisse continuer à avancer comme on le fait maintenant avec les jeunes et les moins jeunes, toute la population ensemble. On dit toujours une commune qui a beaucoup d'associations est une commune forte, vous confirmez? Je confirme, on a un beau défilé aussi pour, en tout cas au prorata de notre population. Nous avons un nombre d'associations important et au défilé des associations pour la fête patronale, on a un beau défilé qui nous font honneur aussi à ce moment-là. Donc c'est pour ça que nous aussi, on est à côté d'elles et on leur donne l'opportunité de s'ouvrir et de se faire connaître, de grandir. Corinne, 100% sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas que seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Exactement, merci. Voilà pour les deux forums, le Marin et le Diamant, qui se donnent les moyens pour redonner goût aux membres des associations à reprendre leurs activités, avec l'arrivée de nouveaux membres qui découvrent les associations sur le plan culturel et sportif. Reportage Daniel Dien, 100% Sport, KMT Télévision.